Ok, chapeau là. Je sais pas comment il est positionné comme ça. Aïe, 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 aïe. Si tu ne me reconnais pas, c'est bien le prophète Kane. C'est que le chapeau, le combat. On met là, je sais pas quel sens le chapeau prend. C'est mauvais. Comme ça, c'est comment? Ok. Donc, juste une annonce. Une annonce pour toi, bien-aimé. Vous savez, la dispensation a changé. Elle a changé. On était à Douala lorsque nous avons posé des actes prophétiques très forts. Nous allons continuer avec. Vous savez que nous, on est des prophètes. Quand vous voyez les gens nous combattre là, ceux qui ne comprennent pas le règne des prophètes, ne comprennent pas la dimension des dispensations prophétiques. Le Seigneur doit être introduit dans un autre niveau. Alors dis-moi, le chapeau d'abord, c'est comment? Parce qu'on doit voter. Ce chapeau doit-il continuer? Ou est-ce qu'il faut que je le jette? Donc, ce dimanche 12 mars, à partir de 7h30, il y a un grand événement dans le règne spirituel qui aura lieu à la Bire. À partir de 7h30. Et nous avons travaillé par révélation du côté de Douala. On a vu le Seigneur nous visiter, nous faire grâce. Donc je voudrais juste exhorter chaque famille qui viendra de venir avec sa bouteille d'eau. Viens avec ta bouteille d'eau parce que nous allons, on aura un service de lavement de la face. Ouais, c'est un service pour dire à Dieu, Seigneur, nous nous séparons de la honte, on se sépare de tout filet maléfique, on se sépare de tout ce qui est nocif à notre vie et à notre destinée. On va être dans une autre dimension. Donc, je prie que Dieu te donne la grâce d'être présent ce dimanche à partir de 7h30 à la Bire. Et à Douala, ce sera à partir de 16h. Donc, n'accepte pas être absent à ce programme, n'accepte pas être absent. Même s'il y a quoi, même si le diable vient t'inspirer n'importe quoi, même si tu avais quel programme, annule ce programme. Dis, je serai à la Bire ce dimanche à partir de 7h30. Viens avec ta famille. Parce que vous savez, les rencontres entre les enfants et les prophètes ont toujours préparé ces enfants à entrer dans de grandes destinées. Parfois, nos parents disent, non, je vais aller seul. Les enfants peuvent rester parce que c'est pas important. Ils ne savent pas ce qui se passe. Non! Non du tout. L'atmosphère prophétique peut introduire ton enfant dans sa destinée prophétique. Ça, ne joue pas avec cela, s'il vous plaît. Donc, ce dimanche 12 mars, à partir de 7h30, ne sois pas absent. Ça, je t'exhorte, bien-aimé, ne sois pas absent. Du côté de Berthois, ce sera à partir de 8h. Le culte aura lieu à partir de 8h, c'est à Mokolo 1. Et au Togo, ce sera Sagbato Logoté. Nous sommes en train, nous avons lancé l'opération culte des libéralités à l'éternel pour dimanche le 19. Nous marquons notre libéralité à l'éternel, notre Dieu, notre reconnaissance et nos actions de grâce. Bien-aimés, je prie que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre la dispensation qui est ouverte pour son église et pour ses serviteurs dans notre nation et dans d'autres nations. Donc ne reste pas en arrière, ne permet à rien de te troubler ce mois-ci, ne permet à rien de te décourager. Dis-toi, je serai là-bas. Quand vous nous voyez servir Dieu avec zèle, c'est que nous avons vu quelque chose. Quand vous nous voyez travailler comme ça, sans repos ni répit, c'est que nous avons vu quelque chose. En Christ, il y a une grande récompense et nous nous attendons à cette grande récompense. Donc, bien-aimé, je voudrais encore t'exhorter, passe la nouvelle, prends cet engagement-là dans toutes nos églises, sur toute l'étendue du territoire camerounais, hors du Cameroun, ne manque pas. J'ai dit au Togo, c'est à Sabato Logoté. Voilà, Sabato Logoté. Soyez là-bas et Dieu se manifestera puissamment dans votre vie. Je voudrais dire à l'église du Togo, vraiment merci pour votre zèle, pour votre fidélité, pour votre abnégation. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux de Jésus. Et nous avons lancé le culte des libéralités. Ce sera dimanche le 19. Et je veux le dire à tous mes enfants qui ne sont pas au Cameroun. Démarquez-vous, démarquez-vous. Donne une offrande à l'Éternel, ton Dieu soutient l'œuvre de l'Éternel dont nous sommes les serviteurs. Quelle que soit ta nation, tu peux te démarquer. Donc je m'attends à l'église du Togo
Vous avez toujours été différent, vous avez toujours été distingué. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Et j'en appelle à toutes nos églises, à toutes nos assemblées et à tous nos enfants de la diaspora, ceux de l'Afrique. Ce mois, démarquons-nous jusqu'au 19. Démarque-toi, dis-toi, je veux poser un acte de justice pour ma famille et pour mes enfants. Un acte de justice qui durera jusqu'à 1000 ans, 1000 générations devant l'Éternel, mon Dieu. Un acte de justice qui sera écrit dans le livre des souvenirs. Donc, ça dépend de toi. L'opportunité t'est donnée. Qu'est-ce que tu feras de cette opportunité? Donc, que le Seigneur te bénisse. Ne laisse pas passer l'opportunité que le Seigneur ouvre devant toi. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Donc, rendez-vous dans ce dimanche à partir de 7h30. Faites-vous pour être là. Là, je serai là très tôt. Parce qu'on aura beaucoup de choses à faire. Beaucoup de personnes, de frères et sœurs veulent consulter Dieu et sa parole. Nous sommes dans une ère prophétique qui a été ouverte. Une ère prophétique redoutable, puissantissime sur cette nation. Donc, s'il te plaît, ne manque pas ce culte. Toi qui veux consulter la parole de Dieu, les gens m'écrivent, oh prophète, je veux savoir ce que Dieu a dit pour moi, qu'est-ce que Dieu dit pour moi, je suis à la croisée des chemins, quelle est l'orientation que ma vie doit prendre. Dimanche, viens, on va parler. Prie bien cette nuit. Prie bien. Dis, Seigneur, révèle mon cas à ton serviteur. Et demain, je sais que le Seigneur le fera. Comme tu viens, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu te bénisse. Bye.